А это скажи подробнее трансляцию. Чтобы она его положила вот сюда. Чтобы... Вот он здесь должен остаться. Всем людям потом. Тут Голучок заканчивает рисовать, конечно, что она рисовала. Дамы и господа, good evening, ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, je suis heureuse de vous accueillir dans les coulisses du nouveau plateau du Bolshoi. I'm very happy to greet you all from the backstage of new stage of the Bolshoi Theater. Wir begrüßen unser deutsches Kinopublikum. This is for the second year that we are doing our direct transmission in the cinemas, and on behalf of Bolshoi, I would like to thank Company Pathé, Bel Air Media, and first of all of you for your love and constant interest toward Ballet du Bolshoi. C'est pour la deuxième saison que nous faisons les transmissions directes dans les cinémas mondiaux. Et de la part du Bolshoi, je voulais remercier de tout mon cœur la Compagnie Pathé, Bel Air Media et vous tous pour votre amour et intérêt constant envers le Ballet du Bolshoi. This evening we will show you rather recent premiere of the Bolshoi Company, staged 2 years ago by Yuri Burlaka and Vasily Medvedev, version of ballet La Esmeralda. Ce soir, vous allez voir le premier récemment du Bolshoi qui a été fait il y a 2 ans. Et c'est le ballet qui a été fait, monté pour Bolshoi par Yuri Burlaka et Vasily Medvedev et qui s'appelle La Esmeralda. For the first time, this ballet was created at 1944, like 12 years after the publication of the masterpiece of Victor Hugo at 1831, and it was done on the command of English theatre, Her Majesty Theatre, by a very famous French choreographer and truly the best dancer of his time, Jules Perrault, for the very famous ballerina Carlotta Grisi. Pour la première fois, ce spectacle a été fait en 1844 sous la commande de théâtre anglais, le Théâtre de Sa Majesté, qui a commandé cette œuvre à un très fameux chorégraphe français et meilleur danseur de son époque sûrement, Jules Perrault, et il a créé ce ballet pour Carlotta Grisi.
But it was the name of another ballet dancer, Fanny Elsler, for whom this role became emblematic part, and thanks to whom Russia saw it for the first time several years after its London premiere. Mais c'est grâce à une autre danseuse du 19e siècle, Fanny Elsler, pour qui cette rôle est devenu aussi le rôle emblématique, et grâce à qui les spectateurs russes ont eu la chance de voir ce ballet dans quelques années après sa première à Londres, premièrement à Saint-Pétersbourg, et après à Moscou. Life and Destiny of Jules Perrault and César Pugny, who was the composer of this work, was related to Russia. For 10 years, Jules Perrault était metteur du ballet en tête, du ballet impérial russe. And for 20 years, César Pugny lived in Russia. Le destin des créateurs de ce ballet est lié étroitement avec la Russie. Pour 10 ans, Jules Perrault a été en tête de la campagne impériale de danse en Russie. Et le compositeur de cette œuvre, César Pugny, a habité ses dernières vingtaines en Russie. Fanny Elsler, for her last performance in Russia, decided to perform Esmeralda here in Moscow on historical stage of the Bolshoi Theater, and she touched heart of spectators when instead of writing the word Phoebus, she wrote Moscow. Fanny Elsler a dansé pour ses adieux en Russie ce ballet, et elle a dansé la part d'Esmeralda ici à Moscou, à l'ancien plateau du Bolshoi, et elle a touché tous les cœurs des spectateurs quand, en place des paroles Phoebus, elle a écrit Moscou. Later on, Marius Petipa staged this ballet twice in Russia, at 1886 and at 1899. Plus tard, Marius Petipa a monté ce ballet deux fois en Russie, notamment en 1886 et en 1896. And numbers of great Russian dancers danced the first part here, and especially Matilda Kshesinskaya was famous in it. And this evening, I'm happy to present you in a leading part Maria Alexandrova with Ruslan Skvortsov as Phoebus and Denis Savin as Gringoire. Beaucoup de danseuses russes ont été formidables dans ce parti, et surtout Matilda Kshesinskaya, qui a dansé ce rôle tout seule pendant 20 années. Et ce soir, ce sera Maria Alexandrova, la danseuse prima du Bolshoi, qui va danser le rôle d'Esmeralda, entourée par Denis Savin as Gringoire et Ruslan Skvortsov as Phoebus. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ladies and gentlemen, we're about to start the second act of La Esmeralda Ballet, and this is the most spectacular and dancing act of this ballet. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer dans quelques secondes la deuxième partie de ballet La Esmeralda, et c'est l'acte le plus dansant et peut-être le plus bel dans ce spectacle. The action takes place at the Bride of Phoebus, Fleur de Lys. And this evening, this part is performed by young and very talented dancer of the Bolshoi, Екатерина Крысанова. L'action se déroule dans l'espace de fiancée de Phoebus, Fleur de Lys. Et ce soir, elle sera dansée par jeune danseuse du Bolshoi, virtuose, Екатерина Крысанова. In this act, there are three big ballet scenes, one of which is Grand-Pas de Corbeil, and Vasily Medvedev spoke about this before. Another big part is Pas de Six, and this is a choreography of Marius Petipa, which shows you Pas de Bourrée d'Esmeralda, by which she represents her troubled world. Alors, il y a trois moments très intéressants de chorégraphie dans ce acte. La première, c'est Pas de Corbeil, dont vous avez déjà entendu parler, Vasily Medvedev. La deuxième, c'est Pas de Six, qui était fait par Marius Petipa, avec ce fameux Pas de Bourrée, qui représente les mouvements de cœur tragique d'Esmeralda. And the especially interesting thing is the beat of Pas de Deux, Diana et Actéon, which was made in this ballet by Agrippina Vaganova when she restaged it at 1935 in Leningrad. And this is from another ballet of Marius Petipa. The title of this ballet was Tsar Kandaval, and it's also music of Pugni. Et alors, le troisième moment très intéressant, c'est le pas des deux, Diana et Actéon, qui était mis dans ce spectacle par fameux Agrippina Vaganova aux années 1935, quand elle a fait ce spectacle à Leningrad. Et c'est une pas des deux d'un autre ballet de Petipa qui s'appelle à l'époque Tsar Kandaval. And this evening, you will see our dancers, Anastasia Stashkevich and Vyacheslav Lopatin in the role of Diana and Actéon. Et ce soir, vous allez voir les danseurs du Bolshoi, Anastasia Stashkevich et Vladislav Lopatin, dans le rôle de Diana et Actéon.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ladies and gentlemen, we are about to start our third act, and a few more things to which I wanted to draw up your attention. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer dans quelques secondes le troisième acte. Il y a encore quelques petits trucs que je voulais stresser pour vous. First of all, Bolshoi Orchestra tonight is performing with Maestro Pavel Klinichev. L'orchestre du Bolshoi joue ce soir avec Maestro Pavel Klinichev. You probably, I hope, noticed beautiful costumes of this performance. They made by Elena Zaitseva and inspired by Ivan Vsevolozhsky's sketches. Ivan Vsevolozhsky, he was for a while director of Imperator Theatres, Board of Imperator Theatres, and he himself did costumes for Sleeping Beauty and also for this ballet, and so Elena Zaitseva was inspired by his work. Les costumes de ce spectacle est inspiré par les sketches de Ivan Vsevolozhsky, qui a travaillé pendant des années comme directeur de théâtre impérial et qui a fait aussi les costumes pour Belle au bois dormant. Et Elena Zaitseva, qui a fait les costumes de ce soir, a été inspirée par ces sketches. And set design are made by Alena Pikalova and also inspired by 6 or 7 different sketches of different painters and set designers who worked in Moscow and in St. Petersburg. Et le décor de ce spectacle a fait par Alena Pikalova, qui était aussi inspirée pour les grands artistes de Saint-Pétersbourg et de Moscou d'apparavant. I have to tell you that from time of Perrault in the Today productions, you are seeing all the pantomime scenes and the way the story moves on. And what was great in Perrault, that he made many different characters on stage. And I also wanted to tell you that the priest Frollo is performed by Alexei Loparevich, while Quasimodo is performed by Igor Tsvirko. Une des grandes qualités de Perrault, c'était de faire vivant tous les différents caractères de ce spectacle. Je voulais aussi vous dire que le prêtre Frollo est joué aujourd'hui par Alexei Loparevich et Quasimodo par Igor Tsvirko. I hope to see you soon on our next transmission, which for the first time will take place on our newly renovated historical building, and it will be Sleeping Beauty on the 20th of November. Moi, de ma part, j'espère de vous revoir à notre future transmission aussi, qui sera le 20 novembre, première fois de notre bâtiment historique, de notre plateau récemment rénové. Et j'espère de vous tous voir là-bas le 20 novembre à Bellebois dormant.
Thank you.
Молодцы. Поздравляю. Поздравляю.